Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Passerelle, votre émission qui aborde des sujets impliquant notre communauté installée à l'étranger. Pour ce tout nouveau numéro, eh bien nous verrons ensemble les différentes avancées et améliorations qui ont été mises en place pour rendre le voyage vers l'Algérie le plus agréable et fluide possible. Vous le savez, depuis quelques années déjà, l'État a accordé une importance particulière à nos compatriotes qui sont établis à l'étranger. Des mesures ont été prises, plusieurs efforts ont été faits également pour justement réunir les conditions optimales et améliorer l'expérience de nos voyageurs. Alors bien que nos émissions soient habituellement tournées en studio, nous avons cette fois-ci décidé de nous déplacer et d'aller à la rencontre de notre invité sur son terrain à l'aéroport international d'Alger, Houari Boumedine. Ça nous permettra de mieux comprendre les réalités auxquelles il est confronté et puis les projets qu'il mène pour améliorer cette expérience des voyageurs. Passerelle, c'est sur Canal Algérie et c'est tout de suite. Monsieur Mortal, Saïd Medouni, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Alors, vous êtes PDG de la SGSIA, la Société de gestion des services aéroportuaires d'Alger. Merci de nous recevoir au niveau de votre bureau. C'est moi qui vous remercie, puis je suis content que ce soit vous. Plaisir voilà. Est partagé. D'abord, je vous remercie de votre attention au travail qui est en train de se faire au niveau de l'aéroport. Donc, c'est la Société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires. Alger, c'est exceptionnel, c'est un hub, donc on aura l'occasion d'expliquer tout ça par la suite. C'est ce que nous allons voir à travers un reportage. Mesdames, Messieurs, avant d'entamer cette entrevue, permettez-moi de vous montrer en image toutes ces nouvelles facilités et services offerts au profit de cette communauté installée à l'étranger. C'est un reportage de Yanis Abdelkassem et on se retrouve juste après. Aéroport international Houari Boumedine. Vous voilà descendu de l'avion, vous entrez dans l'espace temps particulier qu'est l'aéroport. Une parenthèse remplie de formalités et de logistique qui doit être la plus agréable possible. Dès l'entrée, les voyageurs pourront cette année bénéficier d'un service d'orientation personnalisé. Des jeunes en t-shirt blanc, rouge ou vert portant la mention Ask Me sont mobilisés pour les assister. Des bornes d'enregistrement automatiques ont également été installées pour fluidifier le trafic au niveau des terminaux. Les voyageurs n'ont qu'à se munir de leur carte d'identité nationale pour faire sortir leur carte d'embarquement. Une application électronique a été lancée pour fournir aux voyageurs des informations précises sur les heures de décollage et d'atterrissage des avions ainsi que sur les vols programmés. Ces plateformes permettent aux utilisateurs de l'aéroport de consulter leurs vols en temps réel, tels que les places disponibles au niveau des différents parkings, les différents commerces, les salons VIP, ainsi que les différents moyens d'accès aux différents terminaux. Un service d'emballage de valises est disponible, ainsi que des balances pour peser ses bagages. En plus des cafétérias déjà existantes, des commerces touristiques et des points de vente alimentaire, de nouveaux lieux de restauration rapide sont désormais mis à la disposition des voyageurs. Les salles VIP ont également fait peau neuve. Faire de l'aéroport bien plus qu'un simple point de transit ou d'accès, la vision est aujourd'hui axée sur les attentes des voyageurs, un espace plus moderne, mieux pensé, mais avant tout plus convivial. L'embarquement, c'était très bien. Bon, au niveau de l'enseignement, c'était très bien aussi. On est tous contents de ces informations. Il y a eu beaucoup de changements, des tactiles, le passage est très très fluide. Et les nouveaux magasins, une propreté exemplaire. Tout est opérationnel, tout est automatique. J'ai remarqué aussi qu'il y avait des nouveaux fauteuils pour s'installer aussi. Ça, c'est très une bonne chose. Moi, je suis contente. Et au niveau du... J'ai pris un café. Les prix sont abordables. On a été satisfaits de notre séjour. Et le passage s'est très, très bien passé. Tout démarre d'ici, le centre névralgique de contrôle des opérations, le cœur battant de l'aéroport. Si vous passez, vous avez l'arrivée nationale Whisky 13. À partir d'ici, on gère les différentes ressources de l'aéroport. Les guichets d'enregistrement, les portes d'embarquement et surtout les points parking des avions. Et on gère le terminal international, qui est le terminal ouest, et le terminal 1, côté vol domestique, et le T2 pour les vols Amra et Hajj.
Le trafic passager à l'aéroport international Houari Boumediene devrait passer de 8,4 millions de voyageurs en 2023 à près de 10 millions d'ici la fin 2024. Il est donc primordial aujourd'hui d'élever l'expérience de voyage à un nouveau niveau, partant de l'architecture élégante et moderne de la structure jusqu'aux équipements luxueux et options de restauration de classe mondiale. Et la cerise sur le gâteau. C'est juste dans les films qu'on peut voir ça, donc c'est bizarre de voir ça réellement et se dire que c'est vraiment réel. Et tu te poses des questions comme ça joue comment, qu'est-ce qui se passe, les fonctions. Monsieur Midouni, alors vous, on l'a bien vu, hein, tout a été mis en place pour assister les voyageurs de retour au pays, fluidifier les arrivées et les passages aux frontières. De nouveaux commerces et espaces ont été fraîchement installés. Une application pour informer et guider le voyageur a même vu le jour. L'an passé, l'aéroport d'Alger a accueilli près de 8,4 millions de voyageurs. Cette année, 10 millions sont attendus. J'ai envie de vous dire, moderniser l'aéroport d'Alger était en fait une nécessité. D'abord, je tiens à préciser, et puis je salue notre communauté à l'étranger, que cet aéroport, il est moderne. Depuis le premier jour de sa naissance, c'est un aéroport moderne, doté de tous les équipements que d'autres aéroports, même européens, ne possèdent pas. Tout simplement, quand à l'arrivée à la tête de cet aéroport, j'ai trouvé qu'il n'était pas utilisé à 100% de ses capacités. Donc, les services qu'on doit offrir doivent être à la hauteur de l'infrastructure. Et on a du potentiel pour offrir les meilleurs services justement aux usagers de cet aéroport. Alors ce sont des facilités, des services offerts au profit de nos ressortissants récemment installés, uniquement pour la saison estivale, mais j'imagine qu'ils perdureront. Non, vous savez que chaque Algérien, chaque usager algérien étranger qui achète un billet d'avion, dont les taxes qu'il paye sur le billet, c'est des services qu'on doit offrir. Donc moi je me dis toujours que je ne fais pas quelque chose d'exceptionnel. On ne fait que notre devoir. Nous sommes au service de l'usager et on ne doit pas justement être des gens qui ne font pas leur travail pour satisfaire au mieux. Chaque jour, ça doit être une amélioration. D'ailleurs, moi, dans ma méthode de travail, c'est des briefings et des briefings des journées. Quels ont été les points focaux de la journée? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Et c'est comme ça qu'on peut améliorer chaque jour. Parce que rendre cet aéroport un hub, c'est les services et les facilitations qu'on peut offrir qui font que cet aéroport sera choisi à l'avenir par, d'ailleurs aujourd'hui, des Européens transitent de l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest à travers l'aéroport d'Alger, comme on a les Asiatiques aussi qui viennent sur Alger pour rejoindre l'Europe. On a tous les problèmes qui se posent pour certaines compagnies européennes en Afrique, donc ils transitent par Alger pour aller en Afrique. Air Algérie, et je salue son PDG, qui a augmenté les capacités de vol vers l'Afrique, est en train de faire un excellent travail. Et justement, un aéroport, Madame Nour Mokaddem, je me rappelle toujours de votre nom, malgré la première émission qui date d'il y a 2 ans, c'est que dans un aéroport, c'est un orchestre symphonique, et puis pour bien jouer, chacun joue d'un instrument, mais finalement, il faudrait que chacun joue bien pour qu'on ait une belle symphonie. Il faudrait que tout soit synchronisé aussi. Voilà. Alors, Monsieur Medouni, les enfants ne sont pas en reste. On ne les a pas oubliés puisque une petite structure a été pensée pour eux. Donc, un espace a été pensé pour eux. En ce moment, j'aurais aimé... D'ailleurs, je vous invite à revenir. On est en train de relooker un peu nos salons. Relooker le salon, c'est mettre des meubles modernes, des aquariums, des plantes, donner de l'âme à cet aéroport. Et on a justement réservé des espaces enfants. Souvent, les parents, ils sont avec des enfants en bas âge qui ne savent quoi faire dans un aéroport. Et ça les perturbe dans leur attente du prochain vol. Donc, on a mis des coins de jeux enfants, comme il va y avoir pour les adultes aussi, les coins des salles de jeux électroniques qui vont être dans l'aérogare de départ. Des fois, vous savez, ça peut arriver qu'il y ait des retards, des perturbations, des grèves de contrôleurs. On doit donner des moments agréables aux usagers qui attendent leur vol. Donc, on est en phase d'installer tout ça. Et tout ça, c'est du sponsor qu'on fait. D'accord ? Et je remercie les gens qui se sont intéressés à cet aéroport, car on peut le rendre encore plus agréable, même à partir du rond-point d'entrée jusqu'à la salle d'embarquement. Nous sommes mobilisés. J'ai toujours pensé à donner une chance aux étudiants. Il y a des jobs d'étudiants, ce qu'on appelle les jobs pour étudiants. Surtout en été. Surtout en été.
ça va d'abord leur faire une petite rentrée d'argent, mais ça va leur donner une expérience de contact avec les passagers de différentes nationalités. Donc, on a ici, dans cet aéroport actuellement, on est en train de faire des annonces dans différentes langues, je vous dis en chinois, en coréen, en allemand, et ça, c'est une nouveauté aussi. Donc, parmi les facilitations qu'on doit offrir cette année, vous avez souvent eu à voyager, il y a des accompagnateurs qui viennent, qui attendent dans les parkings l'arrivée ou qui déposent quelqu'un. Donc, je vais mettre des distributeurs automatiques au niveau de tous les parkings, au niveau des halls. D'abord, les prix sont moins importants que ce qui est pratiqué à l'intérieur de l'aérogare. Et puis, ça donnera l'occasion aux accompagnateurs de se restaurer, de prendre une bouteille d'eau, un jus, un café, même au niveau des parkings, chose qu'il n'y avait pas. Pour les facilitations, je ne sais pas si je dépasse vos pensées, peut-être que c'est une question que vous allez me poser. Oui, allez-y. Voilà. C'est aussi le transport, il n'est pas en reste. Donc, oui. Il va y avoir l'ETUSA qui va mettre des bus. On va faire des navettes entre les trois aérogares, parce qu'on a trois aérogares, plus la gare qui est une belle gare de train, qui est la plus belle d'Alger. Et qui n'est pas forcément très exploitée comme elle devrait l'être. Voilà, justement, parce qu'il y avait un manque de communication. Il faudrait communiquer et informer les gens. Les passagers ne savent pas qu'il y a une gare de chemin de fer. Donc, ce travail aussi, vous avez parlé, je vous remercie, de notre application mobile. On est les premiers et ils ne sont pas nombreux, les aéroports qui ont une application sur le mobile. C'est des jeunes de 22 ans, 23 ans qui l'ont mise au point. On essaie chaque jour de l'alimenter avec de nouvelles informations. Comme il y a le site web où on donne aussi, on a mis des vidéos pour montrer la beauté de l'Algérie. Sur Tipaza, par exemple, les ruines romaines, sur Tizi Ouzou et la Kabylie. Et on donne les hôtels aussi avec HTT, les hôtels qui se trouvent, les distances. Donc, il y a les taxis, il y a les bus, il y aura le train. Et mon Dieu, que demande le peuple? Bientôt, Inch'Allah, il y aura aussi le métro. Et ça sera, je pense, un aéroport qui répond à toutes les normes. Exactement. Alors, à travers toutes ces mesures prises, il s'agit aussi de faire de l'Algérie une destination touristique de premier choix. Eh bien, justement, dans votre reportage, vous allez voir que nous sommes en train de faire tourner en boucle des documentaires qui montrent la beauté de l'Algérie, le sud, les montagnes. Vous savez qu'on a 2645, si je ne me trompe pas, kilomètres de côte. Et quelle côte? Donc, si, l'aéroport doit être un lieu, d'abord, c'est la première rencontre avec ce pays. Donc, on doit être clean sur tous les plans, sur la propreté, sur l'accueil, sur le sourire, sur l'orientation, mais aussi on a cette chance de pouvoir faire découvrir notre pays à ceux qui sont même de passage ou en transit. Donc ils auront, on leur mettra l'eau à la bouche pour revenir aussi. Pas que ça, bien sûr. Voilà. Alors pour revenir, M. Medouni, sur les prix que vous avez évoqués, donc les prix des services portuaires, on a bien vu que des progrès ont été réalisés. Aujourd'hui, les prix sont plus ou moins abordables. Devant nous, on nous attendra à ce que les prix au niveau des différents commerces baissent davantage. Eh bien, le reste des commerces, d'abord, ce n'est pas la mise à prix qui est chère. La mise à prix, elle est chère. Moi, je le dis, elle est chère. Moi, j'ai l'intention, c'est dans ma politique, de faire abaisser ces prix de location. Mais le problème, c'est que ceux qui ont soumissionné pour ces commerces, c'est eux qui ont élevé les prix de cette location. Donc, moi, je ne suis pas d'accord que quand on élève un prix qui devient exorbitant de location, qu'on doit le récupérer de l'usager. Non, l'usager n'a rien à voir avec cette... D'ailleurs, il y a un article qui était dans les cahiers de charges qui stipulait que pour un restaurant, pour une pizzeria, il fallait avoir l'expérience aéroportuaire. J'ai trouvé ça aberrant parce que faire une pizza à l'aéroport ou la cuire à Burj Bej Mokhtar, c'est la même chose. Donc, pourquoi ne pas donner la chance à tous les Algériens d'avoir accès à des commerces au niveau de cet aéroport? Donc, c'est pour cela que prochainement, nous allons lancer les cahiers de charges pour spécialiser d'abord les commerces. On a envie de resto à la carte, on a envie de quelqu'un qui propose des plats algériens, on a besoin d'autres animations, on a besoin d'un coiffeur. Il y a des gens qui viennent pour une réunion, qui repartent pour une réunion. Ils ont envie d'avoir un moyen de se rafraîchir. Donc les salons, on a actionné les douches qu'on a au niveau des salons de première. Un citoyen, un usager qui paye en première peut prendre sa douche au niveau du salon pour le prochain vol. Donc, tous ces moyens sont en place. On est juste en train d'organiser leur mise en service au profit toujours du bien-être de l'usager.
Absolument. Donc il s'agit d'accueillir les voyageurs de manière générale, notamment les membres de notre communauté installés à l'étranger, qu'importe leur lieu de départ, qu'ils viennent des États-Unis, qu'ils viennent d'Asie, du Japon, suite à des longs courriers, ils trouveront justement toutes les conditions optimales pour pouvoir se reposer. Voilà. C'est un aéroport international. Il doit être au diapason des aéroports internationaux. Donc on est obligé de mettre en place tous les services qui sont exigés aujourd'hui. Moi, j'irai encore plus loin. La gestion pour fluidifier, comme vous l'avez dit, moi, mardi prochain, on va signer une convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour l'école d'intelligence artificielle, de mathématiques, d'informatique, pour justement inclure nos étudiants dans la réflexion sur l'aéroport de 2030-2040. C'est ces jeunes-là qui doivent repenser un peu le concept de cet aéroport, parce que vous prenez un usager qui prend un vol de New York, où il y a des équipements ultra sophistiqués, et qui arrive dans un aéroport où vous n'avez pas les mêmes équipements, il est complètement perdu. Donc, la reconnaissance faciale, les écrans tactiles, tout ça va être mis en place dans cet aéroport pour qu'on arrive à être au diapason des grands aéroports. Alors, M. Medouni, nombreux sont celles et ceux qui souhaiteraient avoir accès aux compagnies low cost ici, un peu plus de compagnies que ce qui existe déjà. Cela permettra sans doute d'avoir un peu plus de choix et de flexibilité aux voyageurs, notamment durant la haute saison estivale qui arrive. Nous sommes à la veille de cet été. Même si chaque année, Air Algérie propose des promotions et toujours plus de destinations de et vers l'Algérie. Vous savez, souvent on parle de low cost, on parle d'Air Algérie, des tarifs. Moi, je pense que Air Algérie, elle est concurrentielle aujourd'hui sur le plan des tarifs qu'elle applique. Parce que il faudrait aussi qu'on... Souvent, les gens... Moi, je suis pilote. Donc, je comprends ce que c'est qu'un low cost. Le low cost, je le dis, hein, devant tout le monde, devant votre caméra, c'est celui qui fait diminuer les services. D'abord, low cost, vous n'avez pas le droit à un bagage. Oui. Vous devez le payer, même le bagage à main. C'est un moyen qui est utilisé par des petites bourses pour voyager loin. Ça se trouve dans le monde entier. Eh ben, les low cost, qu'ils soient les bienvenus. L'espace, il y en a, mais ce n'est pas moi qui ramène les low cost. C'est des accords entre l'Agence nationale d'aviation civile et les pays qui demandent à utiliser l'aéroport d'Alger pour des liaisons entre États. Donc ça, c'est des accords bilatéraux. Moi, c'est tout simplement la plateforme aéroportuaire et vous, derrière vous, moi, je la regarde parce que je surveille mon parking. Il y a encore de l'espace. Absolument. Et puis après tout, une compagnie aérienne reste une entreprise commerciale, donc qui doit faire du chiffre forcément pour perdurer. Oui, souvent on critique les tarifs. Vous savez, il faudrait qu'on fasse une analyse sur le transport aérien au niveau mondial. À combien sont les prix du carburant? Ces nouvelles crises, des guerres qui sont un peu partout, ont fait augmenter les charges sur les compagnies. Il y a les assurances sur certains espaces aériens. Vous payez très cher un espace aérien où il y a des tensions. Donc les assureurs, ils vous font payer très cher pour vous assurer sur tel ou tel espace. Tout ça n'est pas connu du grand public. C'est pour cela qu'il y a une fluctuation sur les tarifs. Mais c'est tout à fait normal, c'est commercial, donc ça obéit à des règles. L'offre et la demande, pourquoi en été, toutes les compagnies sont chères. Prenez un billet maintenant, allez-y à New York, demandez un billet avec une compagnie américaine, européenne, sur Paris ou sur Singapour, vous allez le trouver exorbitant. Tout simplement, c'est la période de l'offre et la demande. C'est ce qu'on appelle le rush hour. Voilà. Absolument. Alors, M. Medouni, quelle est la vision actuelle de l'aéroport international d'Alger et quelles sont les perspectives pour l'avenir? La vision actuelle, c'est d'abord, je ne suis pas content encore de mes efforts parce que je voudrais bien aller plus vite dans l'amélioration des choses. Même si les gens m'abordent, les citoyens m'abordent, les usagers m'abordent pour me dire merci. Tiens, aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu une offre de quelqu'un qui est le premier à ramener un distributeur automatique, pas de boisson, mais de bouquets de roses. Je trouve que si j'arrive à l'installer, je serai le premier, et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est d'offrir ça à quelqu'un qui va aller voir son ami, qui va voir sa femme, qui descend pour aller voir sa maman à l'hôpital, il va trouver un distributeur automatique de bouquets de roses, ça va lui permettre de gagner du temps pour aller voir sa maman ou son ami. C'est les services qui viennent à nous, qui viennent aux voyageurs. Voilà. Mais je ne suis pas encore satisfait, je dois mobiliser tout le monde encore pour qu'on aille plus vite, pour donner une âme à cet aéroport. Et j'aimerais bien voir des gens venir à l'aéroport, pas pour voyager, mais pour passer un bon moment. Avec mon piano qui a fait fureur sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est extraordinaire. On a trouvé des passagers d'un certain âge qui vous jouent du Chopin, qui sont des virtuoses du piano. Bientôt, il y aura des violonistes.
je vais introduire même la Gasba pour animer pendant l'été. On doit faire connaître toute notre culture. Et d'ailleurs, même sur le plan du catering, pour ce qui est d'alimentation des salons de première, je suis en contact et en convention bientôt signée avec l'hôtel Horaci pour mettre des mecs qui sont algériens, du msemen, du barrir, tous ces trucs-là. Je ne suis pas obligé de prendre de la pâtisserie française en étant à Alger. Absolument. Alors, voilà. Réellement, culturel algérien, c'est à l'aéroport qui commence une fois que le voyageur ou la voyageuse a foulé le sol algérien. Ben, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens, même à des étrangers. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est visitée. C'est un hub. Beaucoup d'Européens transitent par Alger pour aller au sud. Et je pense qu'on est dans l'obligation, pour le respect de tout ce qu'a notre pays comme potentiel, pour le sacrifice des gens qui se sont donnés à fond pour ce pays, de tout ce qui est en train d'être fait par les efforts de l'État, d'être à la hauteur de la confiance et bien au contraire, donner la plus belle image de notre pays à travers notre aéroport. Puisque les membres de notre communauté sont quand même des ambassadeurs de l'Algérie, là où ils sont, là où ils résident. Ben oui, cette année, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est d'avoir eu cette chance d'être à l'aéroport, parce que c'est une catégorie de personnes qui m'a toujours... j'étais toujours lié à cette catégorie, c'est les PMR, les personnes à mobilité réduite. Donc j'ai recruté des jeunes pour qu'on puisse les prendre en charge de l'avion jusqu'à la voiture qui les attend ou jusqu'au moyen de transport. On a mobilisé des fauteuils, on a mobilisé des jeunes. Je voudrais sincèrement prendre soin de cette catégorie de personnes. On espère en tout cas. Alors, ce sont des mesures qui ont été prises suite aux engagements du président de la République. Donc, c'est important de rappeler que notre communauté a un rôle en tant que force d'influence et de proposition dans le processus de développement économique du pays, en concrétisation des instructions du président de la République. Et ça commence à l'aéroport à travers toutes ces mesures d'accueil pour justement un peu dérouler le tapis rouge à ces Algériens qui viennent d'ailleurs. Il y a des jeunes Algériens, peut-être qui ne sont jamais venus en Algérie, s'ils viennent cet été et qu'ils trouvent que dans l'aéroport d'Alger, ils ont déjà l'avant-goût de ce qui les attend dans les beautés des paysages d'Algérie, je crois que je suis... Alors, ça met beaucoup plus de pression, parce que je suis la première vitrine, et je dois faire plus d'efforts pour que je leur mette l'eau à la bouche pour les paysages qui les attendent. Donc, ça doit être un passage agréable, moins fatigant, avec le sourire, pour qu'ils aient toujours l'envie de revenir à chaque fois. Et en parlant de sourire, M. Medioni, les enfants des colonies arrivent en nombre cet été. Ouais. J'imagine qu'il y a au niveau de l'accueil un petit programme pour eux. D'ailleurs, ils sont plus nombreux cette année que l'an dernier. Pour la communauté qui va venir, parce qu'il va y avoir un groupe qui va venir, on va essayer de préparer une certaine ambiance, certaines activités pour les accueillir au mieux qu'on peut et leur donner justement cette image d'une Algérie accueillante. Merci, M. Medioni. En tout cas, il est clair que l'aéroport d'Alger s'engage résolument dans une démarche d'amélioration continue pour offrir une expérience de voyage incroyable à toute cette communauté qui est installée à l'étranger, à tous les voyageurs, tout simplement, qui foulent le sol algérien. Nous espérons en tout cas que ces facilitations et ces nouveautés contribuent de manière significative à renforcer ces liens avec la mère patrie et, par la même occasion, eh bien, à promouvoir davantage le tourisme dans notre beau pays. Ben, je vous ai mis un groupe de jeunes que vous avez certainement remarqué dans votre reportage. Ils sont aux couleurs nationales, donc le rouge toujours à la porte du milieu, le vert et le blanc, c'est pour le drapeau national. Pour guider les voyageurs une fois arrivés. Et c'est Ask Me, donc Ask Me in any time. Je n'ai plus de questions, voilà. Mais c'est bon à savoir. Merci Monsieur Mortal, c'est Ahmed Medioni. Alors vous êtes, je rappelle que vous êtes PDG de la SGSIA, donc la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger. Merci de nous avoir reçus. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Passerelle. Je vous souhaite une excellente soirée.